Les amis, bienvenue dans ce troisième épisode de mon let's play sur Made of Scare. Je me trouve aux abords d'une forêt luxuriante, verdoyante, chaleureuse, accueillante. Non, pas du tout, encore une fois on est dans la merde. C'est une forêt sinistre, lugubre, dégueulasse, sombre, on n'y voit que dalle. Regardez, ils sont où là d'ailleurs les mecs qui... Ah bah tiens, il y en a un là, voilà, on le voit. Eh oui, je vais devoir y aller, bordel. Allez, c'est parti. Oh putain, il y a une porte là-bas. Ah oui, le Joe, il a le don de se foutre dans la merde, écoute. Donc il y a plein de Quiet Men. C'est les ennemis du jeu, hein. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Les Quiet Men, en gros, c'est... Bah, ils voient rien, ils se repèrent uniquement grâce au bruit. Ah, merde. Deux interrupteurs. J'entends quelqu'un derrière moi. Est-ce que c'est qu'une impression? Est-ce que je deviens fou? Oui, probablement. Comment on ouvre cette porte là? Il faut que je trouve deux générateurs en forêt. Pas ça qui pour les rues, hein. J'ai vu de la lumière au fond. On va y aller accroupi. Mais avance-toi. Ah, va-t'en. Vas-y, je me bouche. Oh, on est bon. On est bon. Tiens, un petit whisky. Yes. À trouver le deuxième. Faire le tour, hein, déjà. Un qui arrive sur moi, j'ai peur. S'il tourne là, je suis dans la merde. C'est juste. Ah, il est là. Comme par hasard. Je fais caca, monsieur. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Ça veut pas sortir si on me regarde. Je peux même plus chier tranquille. C'est grave. Ah, mais il s'est mis pile à côté, quoi. Le relou. Allez, oust. Du balai, là. Va voir ailleurs si j'y suis. Eh, vous avez vu, j'ai complètement bugué, quoi. Fait que vraiment, je suis pas bien. J'ai fait un bruit, j'ai fait bah derrière. Oh bah oui, allez, embrassez-vous, hein. Oh, passez-vous même à travers, hein. Ouais, c'est pas mal ça. Comment je vais faire, moi? Et voilà. Voilà. Partez très loin. C'est bon. Let's go. Let's go. Comment ça marche pas? Merde. Ça marche pas, les gars. Y'a un cadenas. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Il marche très bien, y'a du courant, non? Oh non. Pas un truc activé peut-être au milieu, non? J'ai l'impression qu'il y a un mec qui est juste derrière moi. Il m'en manque un là, c'est pas possible. Oula. Mais c'est pas normal. Pas un truc à... Ah. Merde, c'est quoi ce bruit? C'est ça. Attends, je vais quand même aller voir la porte. Peut-être que ça s'est activé et ça a bugué, non? On est en droit d'espérer quand même. Allons voir. Ah non. Non. Hey.
Qu'est-ce que tu crois, Joe? J'ai cru que t'allais gruger le jeu. Bah oui. Oui, oui. Ils sont tous là-bas. Comment qu'on l'allume alors? Ah, peut-être avec ça. Et ça, c'est pour les ennemis, ça. Attends, y a pas un document qui me dit note. C'est pas ça là? Non, pas du tout. J'ai objet à ramasser. Non, bah non. Phonographe non plus, bah non. Ah si, attends, fais voir ça là. Examiner. Ah bah si si, c'était le document des corbeaux puisque il y a un corbeau dessus. Alors attends. Note. Corbeau. Il va y avoir une réponse. Non, bah non. C'est une impulsion magnétique. Magnétique ou électrique, bref. En tout cas, peut-être que ça peut affecter ça. Ou faut peut-être trouver un truc. Je teste. Si je teste. Ça gère la voix de la meuf. Ah ouais? Jure, c'est ça? Je trouve que c'était déjà activé avant en fait. Putain, si c'est ça, ça vient de me gâcher une munition. Merde. Allez, vite, 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 faut courir là. Non? Non, je prends pas le risque. Je prends le risque, je prends pas le risque. Qui arrive, y'en a un qui arrive. Ouais, par hasard. Ah ! Il arrive. Ah ! On rentre ! Oh putain ! Oh là là ! Ah, oh, cette chatte. C'est quoi ce bruit? C'est eux? Oh, je pense. Ah ouais, ça doit être eux. Eh, je suis un doudin que je ressors. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah, je peux sortir en plus. Jamais. Ah oui, oui, ça doit être eux. Ouais, ouais. Ah, j'entends encore une... Ah, mais attends, je suis pas de retour dans le manoir, là. Ah, bah si. Et je suis où? Ah, je suis là-haut. Ok. Ok, ok. J'espère qu'ils vont pas casser la porte, hein. Coffre. Eh, je suis pas débile, hein. Merde, 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 merde. Merde. Putain, il est là. C'est mon coffre. Pas touche mon coffre. Ah. Ah, oh bah merde, alors. Pourquoi il s'arrête? C'est un mec qui l'a fait exprès pour attirer les gars. Petit malin. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Faut pas venir là, monsieur. Hein. Oh le bâtard. Est-ce qu'il ouvre les portes? Marre. Je vais ressortir, moi. Finalement, c'est pas si mal dehors. Ah bah, referme pas la porte au nez, Michel. Maintenant. Mais non, mais va revenir. Mais s'arrêter, c'est bon.
bien jusque-là? Peut-être que non. Il repart, t'as vu? Voilà, faut pas avoir peur, Joe. C'est une baltringue, ce mec. T'inquiète pas. Oula, doucement le bruit de la porte, quand même. Hein. Faut que j'aille à droite. J'ai l'impression qu'il va jamais à droite. Non, ah, j'ai cru qu'il allait y aller. Allez, là! On accouche! Voilà. Bouteille de whisky là. Oula. Comment ça se soigne? J'ai pas besoin de me soigner. Mais... Oh, la clé Kraken! Soit je retourne en arrière, soit j'ouvre la clé. Ah non, c'est par là, c'est par là. Je crois que le téléphone, je l'entends là-bas. C'est possible, hein. C'est bon. J'ai réussi à trouver un cylindre. Oh, Thomas, that's welcome news. This will surely free us all. Je crois qu'il y a un gars. Tu sais où je pourrais trouver les autres? I'm sorry, my love, but I do not. My father and uncle, my family, had many secrets, and so much is only now becoming clear. The other cylinders must be in the hotel. Perhaps on the first or the second floors. Look for a way to reach me. Some means to come here to the attic. Objectif mis à jour. J'ai vu que j'entendais quelqu'un dans cette pièce, hein. C'est bizarre. Hein. Du coup, il y a des pièces que j'ai pas explorées. Hein. On peut voir là justement des petits trous là dans les délimitations. Donc c'est des portes. Jamais été par là. Genre là, il y a une porte. Mais je crois qu'il y a un mec juste derrière. Bon, il y a clairement un mec là, je l'entends. Genre, je vais sortir ma tête, je vais le voir. Ah non, il est là. Ah, je suis au bar. Putain, je suis dans le hall de l'hôtel. Ah, bah ça y est, il est infesté. Ah ouais, il est pas mal infesté en plus. Chier, ça. Journal, la tribune matinale. Henry Hughes, le compositeur renommé, s'apprête à révéler son dernier chef-d'œuvre au Royal Albert Hall. L'estimé compositeur Henry Hughes vient d'achever sa dernière symphonie qu'il projette de révéler au Royal Albert Hall en décembre. Monsieur Hughes, qui est l'un des musiciens rencontrant le plus de succès dans le pays, a déclaré « Je suis fier de pouvoir une nouvelle fois présenter ma dernière composition en public, blablabla. » Le jeune compositeur gallois Thomas Evans, c'est moi ça, a annoncé cette semaine qu'il présenterait à travers le pays ses arrangements orchestraux de chansons galloises traditionnelles. Eh ouais, c'est moi, je suis un beau gosse. C'est quoi ça? Oh, ça c'est une énigme. Ça c'est clairement une énigme. Pour faire quelque chose, pour ouvrir une porte peut-être. Le... Y a pas un mec derrière moi, là? Je viens de voir une ombre. Vous l'avez vu?
C'est une grande pièce là-bas, dis donc. Waouh. Waouh, 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 waouh. Y'a un... Oh, c'est le ventilateur. Oh, je me suis chié dessus. Faut plus me faire ça, monsieur. Une salle de sauvegarde. Tu bénisses l'Amérique. Allez, vas-y, diffuse ton message. Ouais, Thomas. Thomas, Thomas, ok. On a compris. Peut-on passer par ici? Apparemment non. Ok, ok. Très bien, très bien. Mais du coup, si j'ai compris, en appuyant sur ces boutons, par exemple, je veux faire sonner le théâtre. Parce que là, je vais aller à la dining room, je pense. Comme c'est la pièce qui est juste derrière moi, là. Je vais essayer d'y aller. Ça va être compliqué, mais bon. Donc si je fais sonner à la dining room... au théâtre, pardon. Est-ce qu'ils vont tous y aller? Pas du tout. Et si je fais le grand hall? Ça fait rien, ça, en fait. Ah, si! Ah, ils y vont tous, ces trucs bains, là. Ah, ouais, ils sortent! Ah, ouais, carrément! Donc là, théâtre. Ah, peut-être un peu loin le théâtre. Qu'est-ce qui est pas loin du grand hall? Waiting Arena. Il y a du monde, hein? Ah ouais, d'accord, ok. C'est bien ce truc, hein. Donc là, apparemment, sur ma gauche, là, il y a une porte. Bah elle est fermée, ah ouais, bah je vais pas pouvoir y aller alors les gars. On annule. On annule, on annule. Mais si sûr. Non bah non. Non non non, je vais devoir... Bah oui mais là-haut aussi c'est fermé. C'est ça que je comprends pas. C'est une clé quoi là-haut là? Dans le couloir où j'étais tout à l'heure. Normalement les clés Kraken c'est écrit. Bah ouais bah comment je sors en fait? Elle est bonne celle-là. En vrai, je peux pas sortir là. Hein. Je peux pas escalader, je peux rien faire. C'est peut-être en rapport avec les tableaux là-bas. Non? Là, il y a un chien. Et pas un chien dessus. Si, Bulldog Beater. Ensuite, là, il y a. Le dragon, il faut intervertir le dragon. Il est en troisième. Comment je l'enlève? Je peux pas l'enlever. Tant pis. Je retourne en arrière. Hein. Là, il y a des spores. Ils sont crus dans The Last of Us, les gars. T'es mieux dehors hein, quand même hein. Parce que là c'est fermé normalement. Putain, c'est un loquet. Putain. Ils sont tous là hein. Allez, on va retourner au Dring Dring et on va tout faire sonner là. Faut que je les dégage. Faut que je les dégage du hall. Non mais ça me fait une trotte quand même hein. Alors comment on va les rassembler tous dans le grand hall s'il vous plaît messieurs. Voilà, tout le monde ici. Et il faut que je vous fasse aller. Manager office. Il y a moyen ça, manager office? Ah, mais manager office, c'est là où il y a les clés. Non, c'est pas bon ça.
C'est là où je vais aller. Faut vraiment que je les fasse sonner ailleurs. Le théâtre, ça serait parfait. Hein. Kitchen, c'est là où je me trouve. Donc c'est mort. Ah bah waiting area. Hein. Ou chapelle. La chapelle, ça, c'est pas bon ça, non? Non. Ah bah waiting arena. Voilà. Allez vite. Pendant qu'ils sont dans la waiting arena, moi je bombarde. J'espère que ça va marcher cette connerie. Hein. Yes. Attends, c'est tout droit. Hein. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air d'être tout droit. Ça. Ça fonctionne ma technique. Qu'est-ce que tu crois? Je suis teubé. Loin d'être teubé le Joe, hein. Loin d'être teubé. On va même. C'est quoi? On va même sauvegarder à nouveau. Comme je suis un gros forceur. Allez hop. Sympa ici. Donc nouvelle pièce, il y a un truc sur la droite apparemment. Optionnel placement pour cylindre. Celui-là je l'ai. Celui-là c'est lequel celui-là? Oh là là, Médusa. Chapelle, celui-là je l'ai la chapelle. Oh, j'avais laissé ouvert moi. Ouais bon vas-y c'est bon. Éteins-moi ça, éteins-moi ça. Faut pas. Putain, il est. Bref, si j'ai bien compris, chapelle je l'ai. Celui-là je l'ai. Donc, c'est celui-ci là, mais je vois pas c'est où. Un bâtiment qui ressemble à ça là. J'ai pas ça moi. Rez-de-chaussée, sous-sol. Ah, celui-là là-haut je l'ai. Mais alors là. Peut-être en haut, hein. Peut-être premier étage, mais j'ai pas la carte. C'est écrit second floor, bedroom. Putain, ah bah, on verra après, hein. Cette pièce. On était déjà rentré là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Une pompe à bière. Ah bah voilà. Bah nickel. Allez hop. Pompe à bière. Note audiovisuelle d'Isaac. 4 octobre. Le dernier test avec les cylindres a démontré des avancées importantes. Après plusieurs séances sur la chaise, le sujet numéro 4 a manifesté une suggestibilité drastiquement augmentée et s'est montré docile. La combinaison de stimuli sonores et visuels semble faire ses preuves. Mais comment reproduire ces mêmes résultats à plus grande échelle sur des foules entières? Sur qui opérer? Le personnel? Et là, on était effectivement déjà venu. Donc j'ai ouvert toutes les clés Kraken, finalement, ça n'a pas non plus... Ah, mais je peux monter! Ouais, 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 je peux monter. Je peux monter avec l'ascenseur. Mais y'avait quoi déjà en haut? On peut pas aller au G. Non, je crois même pas que c'est monter, c'est descendre. Oh le con. Je sais plus. Je crois que c'était descendre, ouais. On verra. Y'a un mec juste en face, hein. Vous le voyez peut-être pas. Moi je le vois, si si vous le voyez. Ouvrez l'œil, mais voilà. Alors, ah, il me faut la clé harpe. Donc c'est pas pour maintenant ici. La clé harpe. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Bon, on remonte. Salut. Donc c'est bien les sous-sols ici. Alors. Ouais, c'est bon, c'est là.
Bon, je vais aller faire leur truc de pompe à bière. Hein. Peut-être pas courir non plus. Dans le doute. Parce qu'il y a quelqu'un. Et il arrive. Et il arrive. Wesh, bien ou bien? Il n'y a pas le tableau ici là? Si, si, il y a le tableau. Je vais les rassembler comme tout à l'heure. Dans le grand hall. Allez. Pas chier là. Et après, ils vont tous venir ici. Pas l'air de fonctionner là. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont tous mis là-bas, c'est con. Doute. Et vraiment dans le doute, hein. Pas de décavaler. Bon, ce délire de Birouze là, c'est comment? Alors, moi j'aimerais bien intervertir ça. Ah non, attends, c'est bon. C'est là, c'est... D'accord. Si c'est dans l'ordre des tableaux, j'ai mal fait. Ah ouais. Donc le chien. Le château. Le dragon. Et la meuf. C'est que ça. Oh ! Super ça. Qui a fait quoi ? Pourquoi c'est ouvert là? Close the door, please. Merci. On va sauvegarder, hein, vu qu'on vient d'ouvrir un super passage secret. Hein. Ah! Stop les bruits. Hein. Bon, ils sont où eux? Ils ont tous disparu, j'ai l'impression. Ils sont encore bloqués là-bas là? J'ai l'impression. Je les vois même plus. Ils ont fait un espèce de bug là. Ils sont tous en train de se mélanger entre eux. Vas-y, moi j'avance. Hein. Merde, c'est pas là. Non mais attends, ça me stresse. Ok, je les vois pas. On les entend râler là. Dans le doute, je vais sortir ma pomme d'Éden, hein, comme d'hab. Ça, dès qu'il y en j'en vois un, bam! Oh! Il y a vachement, quand même. Hein. Il y a du bruit, il y a du bruit. Qui restaient là, ils sont complètement bloqués ces cons. Ça fait mes affaires. Allez, on se casse.
Enfin, on se casse malheureusement pas de l'hôtel, hein. Peut-être qu'on monte à l'étage, justement. Oh, quel plaisir. Ah. Bonjour. Elisabeth, tu es là? J'ai réussi à atteindre le premier étage. Yes, I'm still here. Oh, hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and uncle devised all manner of dangers. Watch your step. Où dois-je chercher au premier étage? It's mainly guest rooms on that floor. The library too, and my father's snug. I'm not sure. Perhaps the library. Non, non, moi j'ai vu bedroom. Il y a quelqu'un avec toi dans le grenier? I've not heard anything outside this door for a good while now. But I can still hear them, searching around the other rooms. Bon, moi aussi je les entends. Take care, my Thomas. Objectif mis à jour, ok. Bon! Il y a un petit train là, c'est Poudlard! Ah, des énigmes! Miam, miam, miam! Sympa en tout cas. Ça ouvrira, je pense, cette porte là. Il y a un ascenseur. Oh, au niveau de la carte, eh bien, bah, il n'y a que dalle. Puisque je ne l'ai pas encore déverrouillé. Bonjour. Salle de sauvegarde. Voilà une belle opportunité. Le lâche que je suis s'y précipite. Et ouais. Et voilà, c'est dans la boîte. Is this true, mother? Did you play a part in this madness too? I would believe my grandfather's ramblings insane, but for what my father has intimated of late, if it were not for what I have discovered myself, that our fortune is born from blood, the price we pay for the siren song, the same song you sang, mother, the song father now wishes me to learn. It is utter madness, and yet it holds my father and my uncle, held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands. Not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth. On a cult dreamt up by grandfather. A cult in which you served as its priestess. How could you? No. How could you? No, I shall not. I will not be a party to this. There must be some means within my reach to stop this, to end all this darkness. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il doit y avoir un truc, ouais, ouais, pour mettre fin à tout ça, ouais, ouais. Waouh! C'est un grand étage que nous avons là. Hein. Un long couloir et tout ça, hein. Je vais juste tester ces petites portes, mais je pense pas que ce soit possible ici. Eh non, verrouillé. Et celle-là là-bas, la 107. Oh, la 100. Ah, parce que. Parce qu'ils ouvrent les portes! Merde! Ah, ça, c'est une grande nouvelle, ça! Ça, c'est une grande nouvelle! Vous m'en voyez ravi, messieurs! J'étais pas au courant, moi, je pensais que justement, ils laissaient tout fermer. Ou alors, c'est à moi de les fermer. Bah non, parce qu'ils les ouvrent. Ça change rien. Réfléchis, Joe. Qu'avons-nous là? Journal d'Isaac, 12 août 1897. Ils me désespèrent tous!
Mon lourdeau de frère semble avoir confirmé les pires soupçons d'Elisabeth, après qu'elle ait mis son nez dans les journaux de notre père. À présent, elle refuse catégoriquement de chanter. Elle refuse d'apprendre les enregistrements du chant pour marcher dans les traces de sa mère. Il doit y avoir un autre moyen, une autre méthode. Nous ne survivrons pas longtemps avec les maigres butins récoltés ces dernières années. Peut-être qu'en utilisant les enregistrements eux-mêmes, je peux peut-être mettre au point une solution qui se passera des caprices de l'entêtement de ma fille. Ah là là, l'argent, ça rend fou. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une guillotine, quoi. Bah, il faut que je place quelque chose. C'est pas pour tout de suite, alors. C'est pas pour tout de suite, la petite guillotine. Ah, du cognac là. Non, on peut pas le prendre. Petit whisky, petit cognac. Je sais pas s'il arrive le mec, mais. Je l'entends marcher quand même. Hein. Ah oui, ça doit être lui. Hein. Croyez-moi, ça ne peut être que lui. C'est bon. Nickel. Journal de Gébédir. Février 1874. C'est dans la cale fracturée du HMS Providence que nous l'avons trouvé, enfermé dans une cage de fer parée d'une vitre, retenue par d'épaisses chaînes. Comment il l'avait capturé, je l'ignore. Pas plus que je ne sais où on devrait l'emmener, ni à qui. Par chance, le naufrage l'avait laissé dans un très mauvais état. Eût-elle chanté, nous aurions sûrement couru droit à notre perte. À en juger par l'effet que son chant a eu, malgré son affaiblissement, sur mes hommes et même sur l'esprit d'une femme dans les semaines qui ont suivi, je crois que nous avons capturé Pesino et en personne, la fille de Melpomen. Je connais pas ces gens-là. Pesino et... La muse du chant et de la tragédie. Que faire d'une telle créature, dotée d'un tel pouvoir? Ceux qui entendent son chant semblent tomber sous son charme et devenir influençables, au point de la vénérer. Je suis tenté d'essayer de me souvenir d'elle pour attirer plus de navires sur le cap. Mais, et s'il existait un moyen de contrôler son pouvoir, d'apprendre sa chanson? Mon fils aîné Isaac m'a informé que sa promise, Prudence, accepterait de faire un essai. Et je lui ai donné mon approbation. Paisino, oui. Quel genre de mythologie, ça? Ah bah c'est truc gallois, il y a écrit ça. Alors quand on entend ce bruit, c'est pas bon. Je vous le dis. Hein. C'est qu'il est probablement... Ah bah voilà. Ah bah voilà. On va se barrer. Quel enculé celui-là. Moi je voulais ouvrir la porte là. Moi, je vais attendre ici, écoute. Ah mais tu pas qu'il y en a un deuxième qui se ramène, hein. À moins que ce soit le même. Non non, il revient. Oh, les gars, il faut absolument. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il faut que je me calme. 1, 2, 3. Ah, c'est un bâtard, hein. Il m'a fait gâcher une munition pour rien, là, pour un mec, quoi. Ça me fout tout le seum.
Ok, donc ces deux pièces-là, elles ont été fouillées de fond en comble. Hein. Allez, on avance. Est-ce que le lâche que je suis va re-sauvegarder? Bien évidemment. Attends, oh. Ce serait bête de pas en profiter. Sauvegarde illimitée, voyons. Alors, on va où? On va en face? On va en face. C'est grand ouvert en plus. Et c'est de la merde. Je me serais bien passé. Bon, on va aller à droite. C'est pas très bien éclairé hein, ici hein, quand même. Oula! What ta mère la chauve. Ok, bon bah vaut mieux pas dormir sur ce lit hein. C'est pas la carte? Oui, c'est la carte. Yes! C'est bon ça. Donc il y a une grosse pièce dans le fond. Je pense qu'elle va être fermée. On va y aller, on va voir. Mais ça fait plaisir. Je reviendrai là après. Fermé. Évidemment. Et là, ça va être fermé aussi. Et non. C'est ouvert. Ah bah oui, évidemment. Gens à l'étage là où je sais pas, en tout cas pas très loin. J'espère que c'est pas quelqu'un qui se ramène. La chance que j'ai, bah si hein. Sa mère. Qu'est-ce que je fais? Il arrive. Qu'est-ce que je fais maman? Il arrive. Pourquoi moi? Oh oui, va-t'en. Okay. Alors attends, qu'est-ce qui se passe ici là? Il y a un truc derrière moi d'ailleurs. Ça là. Bon bah je vais attendre qu'il s'en aille hein. Avant de tenter quoi que ce soit. Ouais, bon. Une manivelle. Tente. Il y a des mecs juste ici. Là. Ah oui, je m'ouvre des petits raccourcis. C'est bon ça. Ça c'était dans le KGB de tout à l'heure. Voilà. Très bien. Y a rien. On dirait que ça peut se casser. Super le raccourci, le Joe. Hein. Bah attends, y a pas un objet par hasard, non? Même pas une poupée, rien. Ils sont radins dans ce jeu. Bon bah finalement, ça sert à rien quoi ici. Ça me ramène juste au KGB. Pas ouf. Et vous savez quoi, on va s'arrêter ici, dans le KGB. Et on continuera l'exploration du premier étage dans le prochain épisode. Voilà, le temps que moi je me calme un peu, parce que là je suis pas bien. Il me stresse de fou ce jeu. Hein. Le fait de pas avoir d'armes, le fait que ça aille doucement, le fait que les ennemis se repèrent au bruit. Tu vois, moi en plus, en général, je suis un gros bourrin. Ouh, je dois avaler tout ça, hein. Donc voilà les amis, maximum de pouces bleus, j'espère que le jeu vous plaît quand même, hein, malgré le rythme assez lent. Mais ça fait plaisir, moi je trouve, c'est angoissant. Voilà. Allez, à très vite, portez-vous bien, tchuss.